Ah oui, alors je voulais faire la surprise que j'étais en facecam, mais en fait le micro il a tout gâché. Eh ben qu'est-ce qui se passe les amis, c'est la notification inattendue je l'espère. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude, enfin comme d'habitude, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé ensemble les amis sur Eurotruck et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui enfin pour cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis en facecam et oui regardez c'est la vache qui rit les gars, c'est totalement la vache qui rit. Comment on fait? Voilà, regardez, c'est énorme, c'est incroyable. Eh, ça tombe bien et c'est pas tout les amis, nous sommes évidemment sur Grand Utopia et on va commencer la route du paradis. Cette vidéo, j'ai envie de vous dire, cette vidéo, elle est pas là pour rien. À mon avis, il se passe beaucoup de choses. Oula, à mon avis, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ouh, la route du paradis, je sens qu'on va bien s'amuser. Ça fait depuis extrêmement longtemps, ça fait quoi qu'il arrive plus d'un mois, ça c'est sûr, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas touché à Eurotruck. Ah si, puisqu'on avait fait une tentative il y a pas longtemps en live, c'est vrai, mais ça s'était mal passé pour ceux qui s'en rappellent. Bref, les amis, j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est incroyable. En tout cas, on est parti pour cette mission rapide pour la reprise de Eurotruck sur la chaîne. Et vous n'allez pas en croire vos yeux, non, je ne sais pas, attendez, je vais juste me mettre bien. Il pleut, c'est chiant. Je pense que je suis pas mal. Ah mince, attendez, je me disais bien que j'ai fait une connerie. Ok. Les feux, je sais plus comment ça fonctionne. Tac, et le frein à main, bien sûr. Non, on a rien vu. On a rien vu, je me suis trompé de touche. C'est bon. On va y arriver, les amis, je suis désolé. On va y arriver. Oh, quel bonheur. Oh, quel bonheur. Attendez, c'est un bonheur. C'est un bonheur inégalable ce qui se passe, mais d'abord. Hop. Voilà, il faut juste que je baisse le son. Bon les amis, eh franchement. Ok, tout fonctionne. Oh là là. Oh là là les gars. Tout fonctionne. Je n'y crois pas mes yeux. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, ça va nickel. Ça fait depuis vraiment longtemps qu'on s'est plus retrouvés. Et voilà, j'ai plein de choses à vous dire. On transporte quoi? J'imagine du lait. Bah non, de la vache qui rit en fait, je suis complètement con. Je suis complètement con. Ouais, si, c'est 20 tonnes de lait. Ouais, c'est la vache qui rit qu'on transporte, les gars. Regardez. C'est incroyable. On est là, les gars. On est là. Retour de la facecam. Eh, j'espère que ça vous fait kiffer. Hein. C'est un test. Hein. C'est un crash test, les amis. Mais j'espère vraiment que ça vous fait kiffer. Déjà, j'aime beaucoup ce début. Ça bouge dans tous les sens. Alors, l'angle de caméra n'est plus le même. Retour de l'incrustation fond vert aussi. J'espère que ça vous fait kiffer. Je vous montrerai à la fin de la vidéo mon setup, comment il est. Et vous allez comprendre pourquoi je peux reprendre le fond vert. Et voilà, je suis trop content les gars, je reprends l'incrustation fond vert parce que ça ne me fait pas chier. Ça m'a toujours fait chier jusqu'à présent. Aujourd'hui ça me fait plus chier, je vous montrerai à la fin de la vidéo pourquoi. Faudra vraiment que je me remette en manuel. Hein. Je me remettrai en manuel hein, pour la prochaine vidéo Eurotruck les gars. Je vais arrêter de rouler en automatique. Parce que là c'est... C'est très compliqué. Hein. Bon au moins ça nous fait rouler pas trop vite remarque mais... Là c'est quand même vachement complexe. Hein. On va en profiter pour faire quelques plans cinématiques. Ah. Yes. Super, c'était vraiment un plan qualitatif. Bon les gars. Je suis très content de reprendre les vidéos comme à l'ancienne. Il faut savoir que j'ai fait une sorte de petit break. Voilà. Qui ne s'est pas spécialement ressenti sur YouTube, disons-le. Ouais mais attendez, mais là je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Est-ce que vous croyez que je vais y arriver? Est-ce que vous croyez que je vais y arriver? Ouais si si. Bah oui mais essaye pas de passer la vitesse. Tu vois bien que ça passe pas. Ça y est, on y arrive. Ok, on va se calmer du coup. On y arrive, attendez, c'est difficile. On va éviter de faire de la merde. Voilà, on se débrouille pas trop mal. Allez, on va essayer de faire ça bien. Oui, donc, ça s'est peut-être pas trop ressenti sur YouTube, le fait que j'arrêtais un peu les vidéos, parce que forcément, tous les jours, presque, ou tous les deux jours, il y a une vidéo qui sort sur Minecraft. Et voilà, je suis évidemment désolé pour ceux qui n'aiment pas Minecraft, hein, mais il faut le savoir. Ça par contre c'est un truc qui va rester pour toujours hein. C'est que vraiment les vidéos je vais continuer de les faire quand je veux et sur ce que je veux. C'est à dire vraiment là ces temps-ci j'étais à fond sur Minecraft pour la série de l'été.
durant tout l'été. Lucius Island, donc une série Minecraft que je vous invite à la regarder si ça vous intéresse, bien sûr. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Et je suis plus ou moins à fond dessus. Là, j'ai un petit peu décroché, mais en fait, j'ai tourné beaucoup d'épisodes à l'avance, donc c'est pour ça. Et du coup, moi, à côté, je fais plus rien sur YouTube. À côté, je faisais plus rien. J'avais besoin de me déconnecter. Alors, j'ai reçu d'ailleurs des... Merci pour tous vos retours positifs, évidemment, mais il y a quelques commentaires négatifs là qui m'ont pompé l'air aussi, là. En mode, hey, t'es nul, t'as besoin d'une pause alors que tu fais rien, nanani, nanana. Ouais, bon, les gens, ils ne connaissent pas ma vie, et ça, il faut le savoir, il n'y a pas que YouTube dans ma vie, mais ça, c'est pas très grave. Et bref, et du coup, j'ai arrêté, ça m'a permis un petit peu de prendre l'air et de réfléchir sur ce que je veux. Et du coup, ce qui va changer, ce qui va changer, c'est pas grand-chose. Au niveau YouTube, et tant mieux d'ailleurs. C'est que je vais vraiment continuer ce qui me plaît, comme ça me plaît, comme j'en ai envie. Voilà, donc vraiment, les vidéos Euro Truck quand j'en ai envie, les vidéos Minecraft quand j'en ai envie, il y a Battlefield qui va sortir, j'aimerais faire un let's play sur Far Cry 6 quand ça sortira. Ça, vraiment, je vais continuer sur cette lignée, d'accord ? Je vais essayer, voilà, de continuer de vous faire kiffer le plus possible et de me faire kiffer un max. Pour ce qui est des lives, en fait, c'est ça ce qui s'est passé. J'ai eu un problème avec les lives ces derniers temps, je pense que vous l'avez remarqué. Attendez, là, c'est une zone 70, il y a un radar là-bas. Hop là, on l'a évité de justesse. J'ai oublié de mettre le frein moteur. Non, ça c'est clignotant. Voilà, le frein moteur, je l'ai mis. Enfin, le frein moteur, le ralentisseur. Oui, donc le dernier live, les derniers lives se sont pas passés comme prévu. Et le tout dernier live qui s'est passé sur YouTube, je l'ai carrément mis en non répertorié. Enfin, je l'ai mis en privé, personne ne peut le voir. Mais ceux qui étaient là savent ce qui s'est passé. J'ai pété un câble. Et en fait, les derniers lives, j'étais pas du tout dans le bain. En fait, vraiment, je ne kiffais pas du tout. J'ai découvert les Sims, ça m'a fait chier. J'ai fait un live Euro Truck, ça m'a fait chier. Et c'est pas anodin, j'ai pas fait de vidéo Euro Truck depuis un moment. Alors que j'ai toujours kiffé en faire tout le temps, etc. J'ai eu une lassitude pour Euro Truck durant un moment. Ça a dû être impacté par le fait que j'ai arrêté ma formation pour être routier. Ceux qui ne sont pas au courant, vous le savez maintenant, je vous le redis, mais j'ai arrêté ma formation pour devenir routier. Je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo d'Euro Truck que je vous invite à aller regarder. Parce que je ne vais pas répéter la même chose. Et d'ailleurs, on avait pris la même route, c'est le même début de route. Donc on va essayer de mieux le prendre que l'autre fois. Ce serait stylé. Voilà, donc on va jamais y arriver parce que je suis en automatique. Et l'autre, il s'en bat les couilles. C'est-à-dire qu'il me voit. Il voit que j'arrive, mais il s'en balèque. Voilà, donc moi, je m'en balèque de lui aussi. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Et du coup, voilà, moi, je suis tout seul sur la route maintenant. Je m'en fiche. Allez vous faire foutre. Voilà. Bah, tu vois, ça change déjà. C'est-à-dire que déjà là, ça commence à faire de la merde. Et là, cette fois-ci, je le reprends à la rigolade. Alors que, à un certain moment, ça m'aurait saoulé. Et ouais, donc j'ai eu une lassitude parce que, je sais pas, ça ne marchait plus. J'avais plus de même magie à jouer au jeu. Et là, ça m'a démangé, là. Ça m'a démangé, il fallait que je retourne sur le jeu. Et donc, c'est l'occasion parfaite pour faire cette vidéo. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc ouais, et le dernier live YouTube s'est mal passé parce que il y a eu plusieurs personnes, je ne vais même pas dire des abonnés, mais des gens qui sont venus casser les bonbons. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il n'y avait pas de modérateur, ce qui m'a pas mal embêté sur le coup. Et du coup, j'ai arrêté le live plus tôt. Vous étiez très nombreux à avoir compris ça, évidemment, mais ça m'a fait chier. Et du coup, très mauvaise expérience de mon dernier live YouTube. Plus la lassitude de Euro Truck, eh ben ça a causé ce qui s'est passé. Je me suis détaché de tout ça, le temps de réfléchir. Maintenant, les amis, je suis content parce que ça va beaucoup mieux. J'ai fait le pour et le contre et je suis très content d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et même si peut-être qu'il y aura moins de vues maintenant sur mes nouvelles vidéos Euro Truck parce que y en a qui ont cru que j'arrêtais, c'est pas grave, on va continuer comme avant. Et peut-être se faire des vidéos défis, des trucs comme ça, etc. On verra. En tout cas, on va continuer de kiffer ensemble et on va voir ce qui va se passer, tout simplement. Alors, pour les lives, oui, du coup, on en est là, pour les lives. Alors, attendez, là, on va à droite cette fois-ci. Là, c'est nouveau. C'est nouveau pour moi. Il va falloir marquer le stop. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Hop. Du coup, pour les lives... Oh, merci, monsieur. Merci, monsieur. Pour les lives, j'ai réfléchi et je remercie aussi Anaïs... qui m'a donné son point de vue. Et en fait, alors faut savoir que le point de vue que Anaïs m'a donné, ça n'a aucun rapport avec tous ces événements. Mais à un moment donné, on avait parlé avec Anaïs, mais vraiment il y a quelques mois, et elle m'a dit, hey, c'était bien à l'époque et tout, quand tu faisais
un live par semaine sur YouTube avec tous les acolytes, etc. C'était fun, machin. Et quand elle m'avait dit ça, j'ai dit ouais, c'est bien, mais moi j'aime bien faire des lives tous les soirs. Après, il s'est passé mes aventures, d'accord ? Et du coup, je trouve que c'est une bonne idée. Un live chaque semaine, au même moment. Et c'est le rendez-vous hebdomadaire. Ça dure genre 4 heures. Peut-être plus, peut-être moins, ça dépend. Genre sur différents jeux, avec différents acolytes, tout seul, à plusieurs. Et voilà, juste c'est le rendez-vous hebdomadaire que tout le monde kiffe, tu vois. Et je pense, en effet, que ça peut être une excellente idée de refaire ce concept. Ce concept qui s'appellerait du coup Mkolo TV, Mkolo TV. Donc comme à l'époque. Et je pense que vous êtes très nombreux à ne pas avoir connu ça parce que vous m'avez découvert en majorité en 2020, lorsque j'ai commencé Euro Truck. Et en fait, ce concept, c'était en 2019. Donc Mkolo TV, un live tous les... Enfin, chaque semaine, juste un. De 20h30 à minuit, quoi, si on veut, tu vois. Et ça peut être du Euro Truck, du Minecraft, du Call of, du Battlefield, à plusieurs, solo, et voilà, plusieurs contenus dans la même soirée, sans prise de tête, détente, à la cool. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, là, à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée, ou si vous préférez quand il y a des lives tous les soirs. Mais moi, je pense que ça peut être très, très bien. Vraiment, le rendez-vous hebdomadaire. Je sais pas encore quand. Est-ce que ce sera le vendredi soir ? Est-ce que ce sera le samedi soir ? Moi, je pense plutôt le vendredi soir. On verra. Mais je pense plutôt le vendredi soir. Pour le moment, je ne refais plus de live. Genre, vraiment, je vais rester tranquille, les gars. Et à la rentrée pour septembre, je repartirai, d'accord ? Je vous referai des lives. Mais là, pour le moment, j'aimerais profiter de mes vacances, tranquille ou bilou, je pense que vous comprendrez. Voilà, j'ai vraiment envie de profiter, de prendre du bon temps, pouvoir réfléchir un petit peu, tout refaire correctement, quoi. Et pour le moment, à part l'accident que j'ai eu, je trouve que j'ai une conduite pas trop dégueu. Alors, visiblement, je fais chier tout le monde derrière. Mais c'est plutôt pas mal. Et la route est très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est plutôt sympathique. Et là, je pense qu'on va bien galérer. Donc ça tombe bien que je sois de bonne humeur et que j'ai vraiment envie de le faire. Parce que là, si j'avais fait cette route quand j'en avais marre de tout, eh ben ça aurait été un petit peu compliqué. Aïe, 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 aïe. Allez, qui veut me laisser passer ? Qui veut me laisser passer ? Parfait. Ça passe. Très, très bien. Ah, je vais refaire ma formation routier du coup. Je rigole, les gars. Non, en tout cas, voilà, je suis trop content et j'ai très très hâte de voir vos retours. Bah, sur mon retour, finalement. Même si, tu vois, c'est un peu bizarre parce que c'est pas comme si j'avais arrêté YouTube. J'ai toujours fait des vidéos entre temps, mais pour moi, ça fait longtemps, quoi. Ça fait. Dites-vous que ça fait. Pas un mois, si, peut-être 3 semaines que j'ai pas parlé sur ce micro, en fait. Que je vous ai pas parlé en vrai. C'est ça ce qui est ouf. Oh putain, j'avais pas vu ça. L'anticipation zéro de la part du routier Mkolo. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, déjà. Durant un bon moment, vous n'aurez plus de live, évidemment. Et que, bon, je vais refaire donc pas mal de petites vidéos sur Euro Truck, hein, on va essayer. Quand j'en ai envie, évidemment, je vais pas me forcer à en faire méga régulièrement. Mais ça veut dire aussi qu'il y aura plus de live tous les soirs ou tous les deux soirs. Donc il faudra vraiment attendre le vendredi soir. Et c'est pas obligé que le vendredi soir, je fasse du Euro Truck. Je pourrais en faire un petit peu. Et varier sur un autre jeu. Mais voilà, faut pas s'attendre à ce que je ne fasse que ça, évidemment. Donc voilà, comme ça, vous êtes, vous le savez. Et ça fait plaisir. J'aime beaucoup cette route. Hein. Félix qui m'avait recommandé cette route, je crois. Très très bon choix. J'adore Grand Utopia. Je voulais me récupérer à boire, mais je vais pas pouvoir. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Et oui, le Red Bull, on n'oublie pas, hein. On n'oublie pas, on n'oublie pas, c'est pas bon, ne buvez jamais ça. Bon, en tout cas, voilà, dites-moi si vous aimez bien l'angle. Alors, dans tous les cas, je le changerai pas, même si vous aimez pas l'angle de caméra, parce que du coup, je peux pas. Je suis dans un... Là, mon setup, comme il est impeccable. Je suis trop bien, je peux pas faire mieux et je peux pas changer, parce que sinon, ça me ferait chier. Je vais vous montrer la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Je vous montrerai à quoi ça ressemble, et vous allez très vite comprendre pourquoi je suis trop bien là. Là, vraiment, je suis au taquet pour vous faire des vidéos de folie, mon pote. Zébardi, d'ailleurs on peut éteindre les feux de nouveau. Ça c'est plutôt cool. Ouah, c'est joli la montagne. Tu la vois la voiture banalisée là? Ça c'est une voiture banalisée ça, non? On dirait, hein. On dirait, putain c'est trop joli. Il y a de quoi faire une miniature là, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi les gars? Là je pense qu'on va pouvoir faire la miniature de la vidéo. Avec
le décor devant et la vache qui rit derrière. Oh, bien sûr, bien sûr. Attendez, on va plutôt se mettre de ce côté. Et oh, il y avait derrière aussi la remorque. Oh bah c'est parfait. La vache qui rit. Hein, c'est pas aussi stylé que ce que j'imaginais. Ouais, voilà, plutôt comme ça. Ouh. Alors là, les gars, franchement, est-ce que vous validez ou pas? Est-ce que vous validez ou pas? Moi, je valide. C'est simple, je valide. Allez, c'est parti, ça part. C'est la miniature de la vidéo. Avec grand plaisir. Hop là. Oui, et alors du coup, ouais, je peux justifier aussi pourquoi retour de la facecam. Bon, alors déjà, l'incrustation fond vert qui ne me fait pas chier. Et secondo, en fait, j'ai réalisé un truc. C'est con, hein, vous avez trouvé ça con. Bon, déjà, je sais que vous aimiez la facecam, mais ça ne vous dérangeait pas le fait que je ne mette pas la facecam en vidéo. Mais comme j'ai dit que la facecam, je la mettrai que en live et que finalement, je vais faire moins de live, bah du coup, c'est dommage. Évidemment, sur certaines vidéos, je suis pas obligé de mettre ma facecam, donc ça, je me garde ça en réserve. C'est-à-dire que mon let's play sur Far Cry 6, je mettrai pas ma facecam pour que vous soyez un maximum dans l'immersion. Et aussi, surtout, j'ai remarqué un truc. Je filmais avec Action Mirilis mes dernières vidéos Euro Truck sans la facecam, ce qui rendait la qualité incroyable. Mais que nenni, en fait. Genre, la qualité est meilleure, mais sur YouTube, ça ne change absolument rien. Il y a tout autant de pixels. Genre, what the fuck. Donc, en fait, que j'enregistre avec OBS ou avec Action, c'est la même chose à la fin. Donc, autant que j'enregistre avec OBS et que vous voyez ma tête, et puis voilà, hein, les gars. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc, bah, j'espère que ça vous fera plaisir, en tout cas. Et comme ça, vous me reverrez rager en direct quand il le faut. Et puis voilà, hein, je roule un peu tout seul. Hein. J'ai vraiment l'impression d'être seul sur la route. C'est vraiment démerdez-vous les autres. Ah ouais, non mais attendez. Hein. Moi, le chef ici maintenant, c'est moi. C'est moi qui décide. Et ouais, concrètement, les gars, prochaine vidéo Euro Truck, je ferai mes réglages pour être en séquentiel, quoi, parce que l'automatique, c'est compliqué. Hein. L'automatique dans ce genre de moment, c'est compliqué. Hein. Alors, là, on va prier pour qu'il n'y ait personne. Ouah, la chute d'eau! Oh, faut refaire une miniature. Faut refaire une miniature, les gars, je suis désolé. Là, je suis désolé. Ce sera peut-être ça, la miniature, finalement. Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Oh, c'est tellement beau! Oh, comment on peut faire? Comment on peut faire, les gars? Oh, il faut qu'on voit la vache qui rit, il faut qu'on voit la cascade d'eau. Ouais, mais tu vois, c'est pas ouf. Genre, oui, c'est joli, mais en vrai, c'est pas ouf. C'est ça ce qu'il faut se dire. L'autre miniature, par exemple, elle était meilleure que ce que je risquerais de faire maintenant. On va essayer quand même. Ouh. Ouais, mais tu vois. Bon, je me déciderai. Je vais faire un screen. Je vais faire un screen et je me déciderai. On verra très bien. De toute façon, ce sera quoi la miniature, hein. Vous l'avez déjà vu, d'ailleurs. Vous l'avez déjà vu au moment où vous voyez cette vidéo, mais... Voilà. On verra. On verra, on verra. Tranquille, bidou. Yep là. Est-ce que les amis, ça vous intéresserait ou pas une vidéo? Et je vous promets que si vous me dites oui, je la fais. Parce que ça fait un moment que vous me l'aviez. En vrai, il y en a qui m'ont demandé, mais je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Que je fasse une vidéo où je vous montre mes réglages du track hier. Et voilà, ce genre de truc. Réglage du G27 et du track hier. Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc à l'avance, avant même de faire cette vidéo. C'est que concrètement, moi, j'ai pas fait énormément de réglages. Hein. J'ai presque tout qui est par défaut, quoi. C'est ça le truc. On me demande, ouais, comment sont tes réglages, est-ce que tu peux m'aider? Mais moi, en vrai, j'ai presque rien touché, quoi. C'est pour ça, en vrai, je suis pas d'une utilité. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, ben voilà, vous pouvez toujours me dire et promis, je vous la ferai. Promis, je vous la ferai avec mes conseils à la con, mais je la ferai. J'aurais pas dû freiner comme ça, putain. Ah, j'ai freiné comme un naze. Je suis désolé, les gars. Ça fait chier tout le monde. Bah, vivement qu'on se mette en séquentiel, hein. Mais sinon, les virages sont très sympas. Et puis pour le moment, je roule plutôt pas mal, je pense. Et surtout pour un mec qui a pas roulé depuis un moment, les gars, je pense qu'on peut se le dire. Je pense qu'on peut se le dire. Hop. Et puis c'est pas fini, les virages. Ah, c'est pas fini. Hein. Ah, le klaxon dans le tunnel, ça fait quoi? Ouais, j'ai pas de trompe, quoi. C'est ça aussi, hein, peut-être le petit truc qui m'avait lassé vite fait. Enfin, ça fait partie des choses qui m'ont lassé. C'est que, en fait, Grand Utopia, c'est génial. Mais c'est pas comme ProMode où tu gagnes énormément d'argent. Et genre, du coup, j'ai pas de camion custom, j'ai pas d'entreprise, j'ai rien, tu vois. Et du coup, ça m'a peut-être un peu fait chier.
Enfin, ça a fait partie un peu de ma lassitude sur le moment, quoi. Mais au fond, j'ai pas envie de mettre de mode pour gagner plus d'argent sur Promode, enfin sur Grand Utopia, là, sur ce profil. Je trouve ça dommage. Moi, j'ai dit, j'aimerais tout faire de manière legit. Donc, on va continuer comme ça, les amis. Et puis voilà, de toute façon, quand on retournera sur Truckers MP. Ah, si j'ai bien compris, maintenant il y a un multijoueur. Ouais, ça j'ai pas suivi, je suis dégoûté, mais apparemment maintenant il y a l'intelligence artificielle sur le multijoueur de Euro Truck. Genre, c'est incroyable. Ça par contre, faut vraiment qu'on aille voir. Enfin, moi j'ai encore jamais vu. Ça a l'air incroyable. C'est-à-dire que non seulement les gens vont rouler comme des cons, comme d'hab, et en plus de ça, on a l'intelligence artificielle quoi. C'est génial. Ça va partir en cacahuète, moi je te le dis. Ça y est, là tu sens que j'ai la confiance. Là tu sens que j'ai la confiance. Ça y est, ça part. Bon là je peux pas aller plus vite. Désolé. Et c'est pas fini, hein. Quand je vois les virages encore sur le GPS. Bon, on est pas trop mal, hein. Je fais tout un bouchon derrière, on les voit en bas, mais... Bref, c'est pas grave. C'est un plaisir. C'est un plaisir de faire chier les gens. Par contre, je crois qu'il y a un truc que j'ai pas dit dans ma dernière vidéo, mais voilà, comme ça on peut conclure là-dessus. Mais le fait d'avoir fait cette préqualification de formation pour devenir routier, même si je l'ai pas fait, on peut se dire c'est un échec parce que j'ai abandonné, etc. Je suis content parce que j'ai appris mais vraiment énormément de choses, quoi. Mais même pas que en rapport avec les camions, mais dans tout. J'ai appris énormément de choses et... Et voilà, si j'ai des choses aujourd'hui, c'est grâce à ça aussi, quoi. Genre, j'ai acheté des trucs aussi, oui, ça m'a poussé à l'achat aussi, hein, d'ailleurs. J'ai acheté des choses, que ce soit pour ma voiture, tout ça, etc. Enfin, plein de trucs que je pensais pas et des trucs que j'ai appris, enfin, vraiment, que du bonheur. Niveau sécurité, niveau entreprise, comment ça se passe. Regardez toutes les voitures, c'est incroyable. Donc vraiment, aucun regret d'avoir fait ça. Enfin ça je l'ai déjà dit hein, dans la dernière vidéo je crois, mais aucun regret. Allez, je pense un des derniers virages. Oh là là, ça va hein. Ça va. Allez, là ça va se resserrer en plus chez nous. Il nous reste quoi? On va regarder un petit peu. Ok, c'est bon, après c'est fini. On vient de faire tous les virages là. On vient de faire tous les virages et on va arriver sur l'Avernay. Et en fait, la route pour aller jusqu'au paradis, elle n'est pas encore terminée. Et je pense qu'on pourra continuer ça dans le prochain épisode. Et dans le prochain épisode, on sera en manuel, les gars. Parce que là, l'automatique, ça va 2 minutes. Regardez, là, je vais m'arrêter bientôt là. Je vais pouvoir pousser le camion bientôt. Enfin, peut-être pas le pousser, peut-être pas exagérer, mais... Bon, après, c'est vrai, faut pas oublier, j'ai quand même 40 tonnes de lait, hein. Route du paradis. Ah bah voilà. J'aurais dû faire un screenshot. C'est pas grave. Ok, par contre, là, il y a énormément de circulation. On voit tous les touristes pendant que nous, on bosse. Incroyable. Là c'est chiant. Là c'est chiant. Ah putain, je vous jure, vous savez quoi, je suis soulagé. Je suis soulagé d'avoir de nouveau envie de refaire ce genre de vidéo et tout. Parce que dans ce genre de moment, il y a un mois là, mais vraiment, hein, j'aurais été là en mode putain mais ça me fait chier, ça m'énerve. Et après j'aurais, voilà, ça me lasse, j'abandonne. Là, c'est bête mais je viens, comme à l'époque, je viens d'en sourire le fait que ce soit chiant. Voilà, ça m'a fait marrer. Allez, ça repart. Dernière ligne droite. Et après, c'est fini. La vache qui rit. Très sympa ce petit Iveco. Bon voilà, du coup j'ai quand même raté pas mal de mises à jour de Euro Truck.
Donc le fait que j'ai appris qu'il y avait de l'intelligence artificielle sur le multijoueur. D'ailleurs, si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vais essayer de me renseigner. Moi, je vais vous dire un truc très sincère. J'ai besoin d'infos. Je vais regarder sur la chaîne d'L7C Fox. C'est simple. C'est vraiment... Excusez-moi, j'ai des remontées. Calmez-vous, c'est la boisson gazeuse. Hein. C'est simple, j'ai besoin d'informations. Je vais aller sur le Twitter de L7C Fox et je vais regarder tous ces derniers tweets que je n'ai pas vus parce que j'ai décroché. Et je vais regarder un peu sur son YouTube comment ça se passe, etc. Et je vais avoir tous les renseignements que je veux. Donc voilà, vraiment, si vous avez besoin d'actu concrète sur Euro Truck, n'hésitez pas à aller regarder sur sa chaîne. Moi, j'essaye de suivre un petit peu The Bus. Donc là, il y a eu des nouvelles mises à jour, mais j'ai pas encore fait de vidéo. Mais voilà, à chaque fois qu'il y a une mise à jour sur The Bus, je vais essayer de vous proposer une vidéo dessus. Mais en tout cas, pour ce qui est d'Euro Truck, et c'est chiant d'allumer les lumières à chaque fois là. Pour ce qui est de Euro Truck, vraiment, vous pouvez compter sur L7C Fox et la Miss, bien sûr, pour voir toutes les nouveautés. Et moi, c'est ce que je vais faire. Hop! J'ai vraiment hâte de voir vos commentaires. Ok, on est arrivé. Eh, les gars, franchement, la vidéo s'est bien déroulée, on est d'accord. Est-ce que vous imaginez si j'ai réussi la manœuvre? Parce qu'avec tout le recul là que j'ai eu, j'ai plus aucune tension, plus rien. Je pense qu'il y a moyen que j'y arrive. Oh, mais en plus, c'est des amours! Merci! Oh mince, j'aurais pas dû mettre la main devant. Merci! Ah, mais c'est un aérodrome, un aéroport, c'est quoi? Ah non, mais je vais jamais réussir la manœuvre, c'est vrai, c'est des trucs compliqués à faire en marche arrière et tout à chaque fois là. Faut aller où là? Alors là, c'est comme en vrai. On va faire ça comme en vrai, on va prendre notre temps, on va faire chier tout le monde, je m'en branle, et on va. Et il faudrait faire ça en marche arrière, c'est d'une évidence. Donc vous savez ce qu'on va faire? Attends. Je sais comment. Je suis un beau gosse. Il y a personne en face. Eh les gars! Voilà, et comme ça, eux, ils vont passer. D'accord. Attends, on va essayer de mettre la remorque droite. Parce que je suis un peu une merde, quand même. Voilà, allez-y, passez. Faites comme si je n'étais pas là. Hein. Et nous, on va tout simplement... Je vais me permettre une vue extérieure, parce que... J'ai la démarche dans ma tête. Donc, si déjà... Si déjà, je pense qu'on peut se le permettre. Je pense que vous m'autorisez. Ah. Ouais. Oh! D'où tu klaxonnes, toi? Malade, lui, ou quoi? Eh, en plus, j'ai fait chier. Mais gros, je t'ai fait chier 2 secondes! Ouais, je suis désolé, j'ai dû faire ça comme ça. Oh là là. Oh là là. Alors. Là, on va juste pour... Attends, il y a un motard. On va éviter de... lui faire peur. Voilà. Juste pour éviter de faire trop chier la circulation. Non, j'aurais... Putain, je suis complètement con, c'est pas grave. Mais je pense que... Je pense que la voiture va y passer, hein. Vous inquiétez pas. Laissez-moi réfléchir. Il faut que j'aille vers... Voilà, c'est ça. Voilà, en fait, en vue intérieure, il y a ce côté quand même plus logique. Ok, maintenant. Maintenant, je vais aller vers là-bas. Eh les gars, franchement, si je fais la manœuvre, mais sucez-moi les gars. Non, non, si, continue, c'est très bien. Ah non, mais non! Désolé pour les roues. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas parfait, mais je pense que j'ai eu la bonne logique. Et on y arrive quand même, donc c'est l'essentiel, tu vois ce que je veux dire? Franchement, entre nous. Et je m'en fous si votre fils, il arrive à le faire en 2-3 mouvements, d'accord? Je suis pas votre fils. Ouais, je le dis tout de suite, hein, parce que je vois les commentaires qui arrivent. Hop, voilà, bon là je fais n'importe quoi, ça y est. Là tu sens que c'est la fin, mais je m'en fous, je suis droit là. Hop, c'est qui le papa? Alors, y'a quoi maintenant? M'Kolo il est de retour. M'Kolo est dans la place, M'Kolo il est là. M'Kolo il va continuer les vidéos Euro Truck. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'attends vos pouces bleus, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et à très très vite pour la prochaine vidéo sur Euro Truck Simulator 2, c'était M'Kolo. Maximum de pouces bleus, je vous fais plein de bisous et merci à tous d'être là. Ciao tout le monde.
Eh oui, et patati, et si, et patata, M'Kolo il tient pas ses promesses, M'Kolo il dit à la fin de la vidéo il y aura ci, il y aura ça, et il y a pas, et pépép, j'ai pas oublié. Bon les gars, après ce tournage phénoménal, nous voici donc dans mon setup, le voici le voilà, c'est ici que je joue, c'est ici que, voilà le G27, il est là, il est beau, il est magnifique, le parquet. Merde. Il grince, il y a de l'orage les gars, il y a de l'orage. Bon ça se voit pas mais le... voilà, les nuages sont complètement noirs et ça grogne, c'est incroyable. Et donc la nouveauté, pourquoi ça ne me fait pas chier de refaire de l'incrustation fond vert? Eh bien regardez, je n'ai besoin que d'une seule softbox qui ne me dérange pas. La caméra, elle est placée ici et elle ne bouge pas. Et le fond vert les amis, le fond vert il est là, contre le mur, derrière le bureau. Autrement dit, il ne me fait jamais chier, voilà. Et il ne bouge pas. Donc il n'y a pas de problème de pli. Enfin là c'est pas parfait tu vois, mais je veux dire ça bougera jamais. Donc les gars voilà, on est vraiment pas trop mal. Alors faut pas faire attention, c'est le bordel sur le bureau hein. C'est complètement le bordel. Mais là on est très très bien les gars. Là on est très 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 là.